Bon, écoutez, si la manière dont je suis habillée, si ce que je tiens dans la main et si ma façon de parler ne suffisent pas à vous alerter sur le genre de choses que vous allez voir, alors je ne sais pas ce qu'il fera. Ce que je sais, c'est qu'il ne vous reste plus que 3 secondes avant d'en découvrir bien plus. 2, 1. On vous aura prévenu. Sors du champ. Moi aussi, je travaille ici. Non! Aïe! Bienvenue dans mon bureau. Tu m'as dit que t'étais opératrice téléphonique aux urgences. Oui, je t'ai menti. J'assouvis absolument tous les fantasmes. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à nettoyer et être mon bodyguard. Ce serait Kevin Costner et moi Whitney Houston. Kevin Costner se prend une balle à la fin. Tu me fais confiance. Combien tu payes? Parle-moi un peu de ta copine, la dominatrice. Il y a longtemps, on était en quelque sorte amoureux. Une amitié amoureuse. Quelque chose d'assez fusionnel. Assez compliqué. Salut! Kiff! Tout le monde croit qu'être dominatrice, c'est que sexuel. La fac n'attend pas les dominatrices! Alors qu'en fait, ça te libère de l'âme. Dites-moi ce qui vous amène. Ah, en fait, je viens pas vraiment pour moi, c'est... pour... mon mari. Excusez-moi, je n'ai pas très bien... Désolée, c'est plus pour mon... C'est pour mon mari! Je suis pas fait pour ce qui vient de se passer. T'es plus courageux que ce que tu crois. Ah ah oh. Ce que tu fais avec moi, c'est super courageux. Mais pourquoi tu me racontes jamais rien? Parce que si je te disais ce que nous allons faire, avant de le faire, tu ne le ferais jamais. Salut.